Bonjour à toutes et à tous, c'est Arkin. Aujourd'hui on se retrouve dans la septième partie du cours sur les équations différentielles et nous allons nous intéresser au problème de Cauchy. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc un problème de Cauchy est un système vérifiant. Y d'ordre n de t est égal à f de t de y de t de y' de t jusqu'à y d'ordre n-1 de t. Et aussi, y de t0 égale k y de t0' égale k prime jusqu'à y d'ordre n de t0 d'ordre n est égal à k d'ordre n, avec un t d'ordre i un réel et k d'ordre i un réel aussi. Démontrons maintenant que le problème de Cauchy vérifiant y' de x moins a de x, y de x égale à f de x et y de x0 égale k admet une unique solution. Donc on admet qu'il existe deux solutions z et y du problème de Cauchy en question. Donc, z et y sont définis sur i de classe C1. On a donc t1 tel que y' de x moins a de x y de x est égal à f de x et t2 tel que z' de x moins a de x z de x est égal à f de x. Donc, t1 moins t2 est tel que y' de x moins z de x le tout prime moins a de x facteur de y de x moins z de x est égal à 0. On a alors y de x moins z de x est égal à k fois e de grand a x, avec k un réel et grand a une primitive de petit a. Or y de x0 est égal à z de x0 qui est égal à k. Ce qui équivaut donc à y de x0 moins z de x0 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à k fois e de grand a x0 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à k égale 0, car pour tout réel x, E de grand a x est non nul. Nous avons donc pour tout réel x de i, y de x moins z de x est égal à 0 fois e de a x. Ce qui équivaut donc à y de x moins z de x est égal à 0. Ce qui équivaut donc à y de x est égal à z de x. On en déduit finalement que y est unique. Démontrons à présent que le problème de Cauchy vérifiant ay seconde plus by' prime plus y égale à f. Et y de x0 égale k et y' de x0 égale k' admet une unique solution, avec k et k' des réels, x0 un réel, a, b, c des réels fixés, y une fonction définie sur i de classe C2 et f une fonction définie sur i. Donc on admet qu'il existe deux solutions, z et y, du problème de cocher en question. Donc z et y sont définies sur i de classe C2. On a donc. S1 tel que Ay seconde plus BY prime plus CY égale F. Et S2 tel que Az seconde plus BZ prime plus CZ est égal à F. Donc, S1 moins S2 est tel que A fois Y moins Z le tout seconde plus B facteur de Z moins Y le tout prime plus C fois Z moins Y est égal à 0. Donc pour delta non nul, on a alors... Y de x moins z de x est égal à lambda E de R1x plus mu E de R2x. Or, nous savons que y de x0 est égal à z de x0 qui est égal à k. Ce qui équivaut donc à y de x0 moins z de x0 égale 0. Ce qui équivaut donc à lambda E de R1x0 plus mu E de R2x0 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à lambda est égal à moins mu E de r2 moins r1 le tout facteur de x0. Voyons maintenant la suite de la démonstration. Donc nous savons aussi que y' de x0 est égal à z' de x0 qui est égal à k'. Donc ce qui équivaut donc à y' de x0 moins z' de x0 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à y de x0 moins z de x0 le tout prime est égal à 0. Ce qui équivaut donc à R1 lambda E de R1x0 plus R2 mu de E de R2x0 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à moins R1 mu E de R2 moins R1 le tout facteur de X0 fois E de R1x0 plus R2 mu E de R2x0 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à moins R1 mu E de R2x0 plus R2 mu E de R2x0 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à R2 moins R1 facteur de mu E de R2x0 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à moins B moins petit delta le tout sur 2A moins moins B plus petit delta le tout sur 2A mu E de R2x0 est égal à 0 avec petit delta un nombre complexe tel que petit delta au carré est égal à grand delta. Donc ce qui équivaut donc à moins petit delta sur a mu e de R2x0 est égal à 0. Nous pouvons aussi obtenir moins b plus petit delta le tout sur 2a moins moins b moins petit delta le tout sur 2a, le tout facteur de mu e de R2x0 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à petit delta sur A mu E2 R2 X0 est égal à 0. Continuons la démonstration. Donc on sait que grand delta est non nul. Donc par conséquent, petit delta est non nul. Et A est non nul. Et également, e de R2 X0 est non nul. Donc dans les deux cas, nous obtiendrons mu égale 0. Et par conséquent, lambda est égal à moins mu e2, r2 moins r1 le tout facteur de x0, ce qui est égal à 0. Donc finalement, pour tout x de i, z de x moins y de x est égal à 0, ce qui équivaut donc à y de x est égal à z de x. On en déduit que y est unique pour delta non nul. Étudions maintenant le cas où delta est nul. Nous avons donc pour tout réel x de i, y de x moins z de x est égal à lambda plus mu x, le tout facteur de e de r0x. Or, nous savons que y de x0 moins z de x0 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à lambda plus mu x0, le tout facteur de e de r0x0, est égal à 0. Ce qui équivaut donc à lambda plus mu x0 est égal à 0, car e de r0x0 est non nul. Ce qui équivaut donc à lambda est égal à moins mu x0. Et nous savons aussi que y' de x0 moins z prime de x0 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à y de x0 moins z de x0 le tout prime est égal à 0. Ce qui équivaut donc à mu E de R0 X0 plus R0 facteur de lambda plus mu x0 le tout facteur de E de R0 X0 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à E de R0X0 facteur de mu plus R0 facteur de lambda plus mu x0 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à E de R0X0 facteur de mu plus R0 facteur de moins mu x0 plus mu x0 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à mu E de R0X0 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à mu égal 0 car E de R0X0 est non nul. Donc lambda est égal à moins mu x0, qui est donc égal à 0. Finalement, on a pour tout réel x de i, y, y de x moins z de x est égal à 0, ce qui équivaut donc à y de x est égal à z de x. Donc y est aussi unique pour un delta nul. Donc en conclusion, nous pouvons déduire que y est la solution unique de ce problème de Cauchy. Ce cours s'achève ici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. A plus tard